moins 25 ans. On croyait que c'était classé. Je sais bien, madame, mais aucune plainte n'avait été déposée avant cet été. Et qui a déposé plainte? Une des victimes, d'abord 1991. Mais je ne peux pas vous révéler son identité, pour l'instant. Et il se peut que la plainte ne soit pas recevable pour cause de prescription. Un autre scout? Et tes parents, ils sont pas allés voir les flics? Non. Ils se sont battus au sein du diocèse. Et les scouts de Saint-Luc se sont arrêtés. Grâce à eux. Mais toi, comment tu l'as vécu? Je me rendais pas compte que c'était grave. J'étais un gosse. Il m'avait tripoté. Quoi? J'étais son chouchou. C'est du lourd! Comment il a réagi, Barbara? Je ne sais pas. Il doit me rappeler. Dites, c'est possible de ne pas citer mon nom de famille? Pourquoi? Vous n'assumez pas? Si, mais j'ai peur que ça aille trop vite. Je voudrais protéger mes parents, ma femme. Vous comprenez? Non. Je pense qu'il faut y aller. Faut pas avoir peur. Ça a commencé à l'âge de 8 ans. Jusqu'au jour où j'ai dit à ma mère, à 9 ans, que je ne voulais plus aller au scout à cause de Prena. Elle a tout de suite compris. Et elle est allée voir le prêtre de la paroisse, le père Plaquet, qui lui avait assuré que Prena serait définitivement éloignée des enfants. Ce qui, à l'évidence, était faux. Je pense pas qu'il faille prendre le risque de faire une sorte de coup médiatique. La priorité, c'est de trouver des victimes. On sait qu'il y a eu beaucoup d'enfants abusés et que très peu de plaintes ont été déposées. Et comme il est difficile de faire bouger les choses, il faut prendre contact en douceur et expliquer rationnellement notre démarche et notre objectif. Et ne surtout pas tomber dans un registre tous collabo. Je voudrais profiter de ce beau soir de Noël, plein d'amour et de joie, pour porter un toast à mon cher frère. François, s'il te plaît. Louis, merci pour ta grande générosité et ta bienveillance légendaire. De quoi tu parles? T'es bourré? Tu sais que depuis plusieurs mois, j'ai pris tous les risques pour une cause qui me tient à cœur, et pour laquelle je pourrais crever. Et où je ne demande pas grand-chose. Juste un peu de soutien. 10 euros symboliques. Alors, comme je suis naïf, mais un peu con, moi, je m'imagine que ma famille, mes proches, mon frère surtout, vont me soutenir. Eh bien non, tu ne réponds pas, tu t'en fous.